إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرق الإسلام، إسلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tougadé et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui porte sous faveur et sous permission et lui permet-nous, lui accorde-nous l'occasion pour nous assises dans et sous la case pour qu'il nous étudie dans sa minute qui lui peut faire faveur à nous concernant ce dîn et le thème. C'est un thème qui, en vérité, préoccupe beaucoup Bandjimoun en ce jour-ci. Un thème qui, relié avec nos séries d'explications sur le monde du djinn et shaitan, c'est ce qu'appelle la sorcellerie. La sorcellerie, en vérité, aujourd'hui, peut faire beaucoup ravages, peut faire beaucoup dégâts dans la société mauricienne, et nous capables de dire en particulier dans la société musulmane, dans la communauté musulmane. Quand vous passez aujourd'hui autant de problèmes sorcellerie, alors inshallah nous pouvons essayer aborde ce sujet-là à la lumière du Coran et du Sunna pour nous guetter la sorcellerie qui, en réalité, la sorcellerie est ce qui, c'est un issue qui fait une fête levée dans les années 2000. Est-ce que la sorcellerie, c'est une nouveauté, ça? Un nouveau ordre, ça, et la manifestation de la sorcellerie, comment la sorcellerie est manifestée, pour qui bonne raison est pratiquée et comment les manifester. Et inshallah nous pourrons prendre que l'islam fait préconiser comme solution contre ce grand problème qu'appelle la sorcellerie. Premièrement, les snuguettes et l'avertissement contre la sorcellerie. En vérité, dans le Coran et dans la Sunna, les deux sources principales de nous dire, le Coran et la Sunna authentique, il y a un grand avertissement, pas seulement avertissement, il y a un grand avertissement contre la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est une forme de kufr. Mais seulement, comme ça, nous ne pouvons pas cacher beaucoup de vérité, 14 siècles de cela, finit être mentionné. Beaucoup de vérité, 14 siècles de cela, fini être mentionné. Problème là et ce solution.
Mais malheureusement, le fait qu'ils bannent musulmans, Zot n'a pas en contact avec la source de Zot religion, n'a pas en contact avec Zot Coran et avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui, comment dire, fait à cette chose-là paraître nouveau pour Zot. Et ce qui est plus chagrinant, quand problème-là commence à surgir et il y a fait, et là qui, comment dire, je t'en prends compte et il y a un problème. Mais en vérité, ce problème-là, 14 siècles de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fini cause de ce problème-là. 14 siècles de cela, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas averti ce ummat contre ce problème-là. Ce n'est pas moi, premier du monde, qui peut venir averti contre la sorcellerie. Ça prendra la fin des salles déjà 14 siècles de cela. Quand on peut dire 14 siècles, on peut faire référence à calendrier islamique et nous comptons très bien que le Coran, les fins des salles, dans les années 610, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui finit l'année 570 et les fin gain révélation à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, nous dans les années 2011, alors combien de siècles fin traversé? Calendrier islamique, 1432, déjà combien de siècles fin traversé? Ayat Coran là, lila li dans le Coran. Surah Baqarah, surah 2, ayat numéro 102. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire: ban là, fin suivre ce qui ban shaytan fin raconter concernant la royauté de Suleyman. Suleyman, alayhi salam, pas fin commettre coffre. Suleyman, pas fin faire coffre. Mais ban shaytan qui fin faire coffre. Wama unzila ala al-malakaini bibabila Harut wa Marut. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله سبحانه وتعالى بيجي بنا زد في نصي بن جمون لسو سلغي et ce qui t'y être descendu lors les deux anges à Babylone. Et ces deux anges-là, c'est ça même deux anges, Harut et Marut. Et ces deux anges-là, je n'ai pas fini enseigner personne jusqu'à ce qu'ils finissent dire. Je n'ai pas fini enseigner personne jusqu'à ce qu'ils finissent dire. Nous simplement un fitna, nous simplement un test. Nous simplement un fitna, et alors n'a pas fait coffre. N'a pas fait coffre. Ban juif fin apprendre avec sa déange là, c'est qui poussait pas un homme de son madame. Voilà l'objectif principal de sa petite chose qu'appelle sorcellerie là. Voilà l'objectif principal qui fait, et na la sorcellerie qui fait, du monde pratique la sorcellerie. Target principal, c'est pas monsieur avec madame. Target principal derrière la sorcellerie. Mais des ordres entre monsieur avec madame. C'est pas un couple. C'est pas un époux de son épouse ou bien une épouse de son époux. Ben, je finis à prendre avec sa déhange là, c'est qui poussait pas un homme de son madame. Ben là, pas pour capable à pour personne qui dit tout, excepté pas permission Allah. Mais la vérité, il reste qui?
malgré tout manigance, malgré qui quantité champion les champions, mais les restes qui c'est seulement pour permission Allah qu'il y ait réalisé certaines choses. Les n'a pas fait dito, excepté pour permission Allah. Maintenant, il faut apprendre ce qui peut apporter aux dito, et pas pour profit de Dieu. Mais dire la sorcellerie, c'est quelque chose qui apporte dito, et il n'a pas profit du monde dans aucune façon. Ben la fin connaît qui celui qui achète la sorcellerie. Et dire celui qui deal avec la sorcellerie. Et dire celui qui prend en casse pour faire la sorcellerie. Celui qui paye pour faire la sorcellerie. Celui qui demande faire la sorcellerie. Et celui qui fait la sorcellerie. Celui qui achète la sorcellerie, il n'a pas pris aucun port dans un khirat. Vraiment, la sorcellerie, c'est un mauvais marchandise pour laquelle Banna, je devine van, je même, si seulement Banna t'y connaît. Dans sa ayat là, mon frère, Al-Hafidh ibn Hajar lui dit وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ وَمُتَعَلِّمُهُ كَافِرٌ. À la lumière de sa ayat là, nous apprenons, ban ulama fin déduire, à la lumière de sa ayat là, je fais une service à ayat là comme preuve pour dire que la sorcellerie c'est coffre. La sorcellerie c'est coffre. La sorcellerie les retire un dimoun depuis dans l'islam. Du moment qu'un dimoun fin deal avec la sorcellerie, il n'est plus musulman. Il perdit son identité musulman. Il n'est plus musulman. La sorcellerie c'est coffre. Et celui qui apprend la sorcellerie, il est un kafir. Celui qui apprend la sorcellerie, il est un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala le dit concernant les juifs dans surah 4 ayat numéro 51. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les yahoud yu'minuna bil jibti wa ta'ut banna zut ina iman dans al jibt et al ta'ut banna zut ina iman dans al jibt et al ta'ut. Qui était al jibt? Qui était al ta'ut? Le sahabi Omar. Le sahabi Omar radiallahu anhu dit الجبت السحر الجبت السحر والطاغوت الشيطان يجي الجبت سي لا سوسيلري الجبت سي لا سوسيلري طاغوت سي شيطان alors ben juif je t'ai na iman dans la sorcellerie je crois là dedans et je t'ai na iman dans طاغوت je t'ai na iman dans شيطان. Alors qui peut faire comprendre pour ça? C'est qui la sorcellerie les relie directement avec Satan. Et une grande relation entre Shaitan avec la sorcellerie. Un vrai mu'min, lui n'a pas deal avec sorcellerie. C'est Satan qui deal avec sorcellerie. Et tout man qui deal avec sorcellerie, c'est man agent Shaitan. Tout man qui deal avec sorcellerie. C'est un agent Shaitan, alors un mu'min, un vrai croyant, il n'a pas gagné recours à la sorcellerie, il n'a pas gagné affaire avec sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est kufr. Rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, dans le hadith de Bukhari, il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, اجتنبوا السبع المبطات. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dit reste loin de sept péchés destructifs. Reste loin de sept péchés qui détruisent un dimoun. Qalu ya Rasoul Allah wa ma hunna. Banna fin dit ya Rasoul Allah, qui savent péché là ça? Qui savent péché qui détruit un dimoun là ça? Alors li fin dit qala ash-shirk billahi wa as-sihr. Parmi savent péché là li fin dit الشرك بالله في الشرك avec Allah d'un associé à Allah wa sihr et la sorcellerie. Alors la sorcellerie c'est un parmi les sept péchés destructifs. La sorcellerie c'est un parmi les sept péchés destructifs, c'est un parmi les sept péchés qui détruisent un dimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas parmi nous celui qui pratique tatayur, celui qui pratique tatayur ou bien celui qui fait la pratique tatayur.
Tatayur, c'est une forme de sorcellerie qui est pratiquée spécifiquement, veut dire pour faire une madame ou bien un homme, veut dire venir aveugler derrière ce monsieur ou bien ce madame. Veut dire pour faire un homme ou bien une madame. Un monsieur pratique la sorcellerie, une sorcellerie spéciale, ça, pour faire sa madame, la résiste pour lui. Bon, maintenant, dire dans le langage créole, attaché. Tu y en as. Alors, le tatayur, c'est la superstition. La superstition à travers un oiseau, c'est un oiseau spécifique, et ça forme de. Puis voilà, puis voilà. Alors, ce que je peux dire là, c'est un homme qui pratique une sorcellerie spéciale pour son madame, ça appelle ça puis voilà. Ça c'est puis voilà. Tatayur, c'est un genre de superstition qui existe chez les Arabes. Ça veut dire que je peux pratiquer la superstition, je veux dire, à travers et ben oiseau, tel oiseau représente babouler, tel oiseau représente et malheur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas parmi nous celui qui pratique tatayur, c'est-à-dire superstition qui est reliée avec ben oiseau, ou bien celui qui les prétend qu'il y connaît le futur, ou bien celui qui demande et qui d'information avec celui qui prétend qu'il y connaît le futur, c'est-à-dire ban kalgit ban devin. Ban kalgit ban devin, ban qui prétend connaître le futur, qui prédit le futur, ou al-getli, soit un djimon qui lui-même lui prétend qu'il connaît le futur, ou bien un djimon al-get un djimon qui peut prétendre qu'il connaît le futur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non plus celui qui pratique la sorcellerie, ou bien celui qui fait pratiquer la sorcellerie. Il n'est pas parmi nous celui qui pratique la sorcellerie, ou bien il fait pratiquer la sorcellerie. Un hadith qui trouve dans et Musnad al-Bazzar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, la yadkhulu al-janna sahibu khamsin. Il n'a pas pour entrer dans la jannat celui qui fait 5 péchés. Celui qui commet 5 péchés, il n'est pas pour entrer dans la jannat. Numéro 1, mudminu khamrin. Celui qui consomme kham. Un qui consomme les intoxicants, l'alcool, la drogue, un qui consomme les intoxicants, wala mu'minun bi sihrin, un qui croit dans la sorcellerie, un qui croit dans la sorcellerie, wala qati'u rahimin, un qui casse relation familiale, un qui casse relation distante, wala kahinun wala mannan. Et un devin, un qui prétend qu'il connaît le futur, et un qui les reproche après qu'il fait faveur. Sa 5 péchés-là, celui qui commet sa 5 péchés-là, il n'a pas pour entrer dans Jannat. Un parmi sa 5 péchés-là, c'est celui qui les croit dans la sorcellerie. Et un hadith comme suite, dans An-Nasa'i, qui dit « Man aqada uqda » ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك. Celui qui attache un nœud, ensuite il souffle dans le nœud. Ça c'est une forme de la sorcellerie, c'est une façon que commence à pratiquer la sorcellerie. Celui qui attache un nœud, ensuite il souffle dans le nœud là, il souffle là-dedans, il finit certainement pratiquer la sorcellerie. Et celui qui finit pratiquer la sorcellerie, il finit certainement commettre shirk avec Allah, mais seulement ce hadith-là, c'est un hadith et faible et réfère à Rayatul Maram, hadith numéro 288, et un ulama qui fait faire tada'if, qui fait déclarer ce hadith-là comme un hadith faible. Ça, ben frère, avertissement contre la sorcellerie. À la lumière de ce ayat Coran-là et ce qui nous fait entendre, nous faisons comprendre que l'islam fait avertir les musulmans contre la sorcellerie. Apprendre, pratiquer, enseigner et les défendre, c'est un acte anti-islamique et ce n'est pas un péché ordinaire, c'est un péché qui retire un démon depuis dans l'islam.
La sorcellerie, c'est quelque chose de très très ancien. N'est pas nouveau dans nous l'époque seulement. La sorcellerie, c'est quelque chose de bien ancien. Les filles existaient depuis l'époque du premier messager d'Allah, l'on salatéala. Depuis l'époque, premier messager qu'Allah fit envoyer l'on salatéala, qui existe problème sorcellerie. Allah dit dans Surah 51, ayat 52, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Allah سبحانه وتعالى peut dire ainsi aucun messager pas fin vin avant qui t'y avant ban là, aucun messager pas fin vin à un peuple qui t'y avant ban là, excepté qui ban là, je vais dire ça c'est un sorcier ça, ou bien c'est un fou. Ça veut dire le mot sorcier qui existe parce que la sorcellerie qui existe. La sorcellerie qui existe, le mot sorcier, c'est-à-dire peut montrer qui, banna, la sorcellerie qui existe, et banna, tu peux croire dans la sorcellerie, tu peux pratiquer la sorcellerie, et ce, tu peux taxer ban prophète comme ban sorcier. Alors, et, à part ça, Allah subhanahu wa ta'ala, les filles de fer nous connaît qui, les tu envoies des anges pour venir enseigner l'homme qui était la sorcellerie afin qu'il ban là, je évite lui. Dans Surah 2, ayat 102, comment nous fait passe avec sa ayat là, là que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakayn bi Babil Harut wa Marut. Sulaiman pas fin faire kufr, mais ban shaytan fin faire kufr, ban là fin enseigne ban timon la sorcellerie. Je suis enseigné par Dieu la sorcellerie et c'est qui t'y est descendu, l'eau, les deux anges à Babylone, Harout et Marout. D'après le Coran, chers frères et chers sœurs, l'époque qui la sorcellerie, tu peux pratiquer en quantité, l'époque qui la sorcellerie, tu peux pratiquer en quantité, c'est l'époque du prophète Moussa alayhi salam. L'époque qui la sorcellerie, tu peux pratiquer en quantité, c'est l'époque de Moussa alayhi salam. Allah dit dans Surah 20, Surah Taha, ayat 57-58, قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي. Pharaon fin dire, est-ce qu'il te fin vin pour tirer nous depuis nous la terre? Est-ce qu'il te fin vin pour tirer nous depuis nous la terre? Porte sorcellerie, ô Moussa. Est-ce qu'il te fait vite pour tirer nous depuis nous la terre, porte sorcellerie et ô Moussa, certainement nous pourrons pour toi une sorcellerie semblable. Ça veut dire, et surtout, vous pourrez remarquer, nous disons dire ça, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un prophète, chaque prophète qui fait venir, Allah fait supporte avec un miracle. Et ce miracle que Allah fait supporte ce prophète là, il est en relation avec quelque chose qui est commun dans ça, l'époque là. Mais dire dans l'époque Moussa alayhi salam, la sorcellerie dans le peuple pharaon, la sorcellerie est commun. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait donne Moussa alayhi salam comme signe, un bâton. Quand il fait jette ce bâton fait une serpent. Alors, et parce qu'il fait, parce qu'il sa peuple-là, je dis, ça qui de chose-là, je dis, je peux vivre dans ça qui de chose-là. Il tient, comment dire, une tradition dans sa peuple-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, et dans sa ayat-là, il peut faire nous connaître qui, quand Moussa alayhi salam vient avec ce peuple, alors ce peuple peut traiter comme sorcier, et peut dire, qui est-ce qu'il y a avec ta sorcellerie, tu peux envie de tirer nous depuis nous la terre, ô Moussa. Alors, et d'après hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons aussi que dans le passé, dans le peuple avant, ban les rois, parmi ceux ban l'homme fort, parmi ban dimoun qui se peut servir, si tu peux servir, chaque les rois, tu peux employer un sorcier.
Quand nous guettons l'histoire dans le passé, ben, le peuple avant, ben, les rois, alors la grande majorité de ben, le peuple avant, ben, les rois, alors ce haine parmi ce ben, l'homme faux, qui tu peux supporter, mais dire ça que les rois tu peux employer haine, tu peux employer haine sorcier. Alors ça aussi, les donne nous et une indication que la sorcellerie, chers frères et chers sœurs, la sorcellerie, c'est pas un nouveau quelque chose qui ne fait que lever dans l'année 2011. Et là, profitons là pour me dire, à cause ça même qui nous maintenir, qui le fait que la sorcellerie, les très anciennes. Les tellement anciens qui n'ont aucun prophète qui ne vient, excepté que ce problème-là qui existe, qui nous bisait comprendre, pas aujourd'hui dans l'année 2000, qui nous, quand nous peut arriver, constate problème sorcellerie, alors nous pouvons dire qu'il nous bisait dégage une nouvelle stratégie pour nous combattre la sorcellerie. Nous bisait invente une nouvelle méthode pour combattre la sorcellerie. Non. Ça c'est ma derrière. Nous dit à qui, ben des gens qui aujourd'hui peuvent venir avec ma nouvelle méthode. Ma méthode qui, ce qui est plus grave encore, ma méthode qui n'a pas trouvé du tout dans façon de faire, ni dans mon peuple, ni dans le charia de mon prophète avant. Et d'ailleurs, tout mon charia avant finit à être abrogé par le charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lit, lui fin fait nous comprendre qui ça veut dire que dans un tel ce charia, Allah finit à prouver dans le charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit à amener comme solution pour nous, contre ce problème-là, il suffit. Ce que Allah finit de nous, à travers nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah finit de nous comme sa parole lui-même, comme conseil de ce bord, et ce qu'il fait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il suffit pour nous, au contraire, si un démon, les péchés, protection contre ce problème-là, et en donnant considération à ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fin faire et lui fin dire, alors là, et il a doublement récompense, et pour le fait qu'il s'agit de là, pour l'amour qu'il y en a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça, il fait limiter avec ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin faire, veut dire par barakat ça, l'amour qu'il y en a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala accorde-lui la guérison. Alors voilà qui vient nous dire, préfère. Même les préparer petit guide, même solution qui le aujourd'hui qui fait beaucoup du monde, je te fin à chercher solution ailleurs. Parce que bien souvent, nous petit esprit qui nous est là, lui fait nous croire, quand on peut dire nous comme ça, nous peut trop problème là, un grand problème, mais c'est moi, il donne nous un petit doigt, il donne nous une petite phrase, peut dire nous lire. Alors il trouve sa phrase là trop faible pour combattre ce grand problème là. Mais seulement, nous ne comprenons pas. Nous avons une longue phrase là, mais nous ne comprenons pas le contenu de la phrase là, qui est dans la phrase là. C'est Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseigne à lire sa petite phrase là, dire sa petit mot là, parce qu'il nous enseigne ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous enseigne ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à cause de même, ma frère et ma soeur, nous dire que la sorcellerie, ce n'est pas une nouveauté, hein, de nos milléniums, comment on peut dire, n'est pas une nouveauté, n'est pas un problème qui ne fait que lever. Alors c'est un problème qui finit tout le temps existe dans tout le peuple, et l'islam finit préconise cette solution. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Nous permettons un hadith pour montrer où qui ben les rois typés emploient ben sorcier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, tiennent les rois, il peut dire avec son ben compagnon, parmi ben qui tient avant eux, tiennent les rois qui tiennent un sorcier. Falamma kabira, qala lil malik, quand sorcier là vient âgé, quand sorcier là vient vieux, il vient âgé, qala lil malik, l'indien à les rois là,
إني قد كبرت من بين فيستر من بين في فبعث إلي غلاما أمن أنزنس أمن أنزن أعلمه السحر مبومونتري لا سوسيري ألو لي ميم بوفين مور لي ميم لي ميم بوفين موريلي. Alors donc ce hadith-là veut montrer nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut montrer nous qui veut dire, ben les rois dans le passé, alors je te fais emploi, ils vont sorcier. Et quand un pour aller, il connaît, il n'arrive pas pour y aller, alors veut dire, tu peux être remplacé. Donc ça veut dire la sauce, tout ça là, c'est l'indication qui montre nous qui la sorcellerie, c'est une culture bien ancienne, et la sorcellerie qui existe bel et bien depuis ben ancien l'époque. Qui était la sorcellerie au fait? Définition de la sorcellerie. As-sihr, qui était ça? Au fin de temps, dire sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Qui était sorcellerie au fait? C'est quoi la sorcellerie au fait? La sorcellerie, le mot arabe, c'est as-sihr. Le mot arabe qui servit pour la sorcellerie, as-sihr, c'est quoi? Qu'est-ce que signification? C'est n'importe qui chose qui se cause les cassiettes. N'importe qui chose qui sa raison d'être, se cause les cassiettes. Arabe servit sa moula, sihr, pour exprimer n'importe qui chose qui raison derrière sa chose, les cassiettes, les pas visibles. Imam Ibn Qudama, les définit sihr comme suite. Imam Ibn Qudama, lui donne une définition à sihr comme suite, lui dire عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجته بن incantation بن incantation veut dire بن phrase qui écrit à l'oban papier بن phrase qui écrit à l'oban papier et qui donne بن dimon comme guérison contre ce problème là. Alors là, il est important de nous faire des bouvinis, Inch'Allah, des bouvinis après, nous causons un chapitre bouvinis, c'est la même, les incantations. Hein, un chapitre bouvinis, c'est la même. Alors, et phrase qui écrit un bout de papier, qui donne un dimon, et ça dimon là, les PC avis ça, comme protection, les PC avis ça, soit pour repousser le mal là, c'est-à-dire, soit déjà, les malins déjà frappent, ils peuvent repousser les mal pour ça, soit ils peuvent mettre ça avec l'intention pour empêcher lui-même, c'est-à-dire empêcher ça le mal-là atteindre. Là, en passant, on nous dit bien, en passant, le fait qu'il nous cite, il nous dit, il y en a deux types. Il y en a un qui ça, les permissibles, c'est-à-dire, Rokia qui permissible, et Rokia qui pas permissible, qui est capable d'atteindre même jusqu'à dégraisser. Faire bien attention, faire bien attention, qui fait un petit ali, parce qu'il s'amène qui se lit grave, nous ne sommes pas capables, on dirait que m'a dit, en la nuit, beaucoup pour en dire que m'a dit, retourne vous dit ali, parce que si un démon lit et a une conception, qu'il a un bout de papier, il écrit un doa, il écrit une phrase, il donne ça, il peut servir ça, et il y en a ça, l'intention là, il croit que ça l'écriture qui dans sa papier là, il a pouvoir pour empêcher lui, veut dire empêcher ça le mal la fatigue lui, ou bien pour faire du bien pour lui, ça bout de papier là, il a pouvoir faire du bien pour lui, ça c'est pure shit. Qui fait? Pour qui raison? Parce qu'un bout de papier avec l'écriture en lui-même, les peines à pouvoir guérir, les peines à pouvoir faire du bien ou bien faire du tout. Qui s'en a qui n'a pouvoir donner guérison et ou bien protéger contre du tout, c'est Allah Rabbul Alamin. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala. Juste Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pouvoir guérir. Maladie, c'est Allah même qui donnait. Guérison aussi, c'est Allah même qui donnait. Maladie, c'est Allah même qui donnait. Guérison aussi, c'est Allah même qui donnait. Ce problème-là, il est venu par permission Allah et il n'a pas allé aussi accepté par permission Allah. Ça, c'est conception qui a dit mon misaïna. Alors, il y a même un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fait nous connaît, qui est celui qui a pendant avec lui, celui qui a pendant avec lui, et
incantation, une phrase qu'il fait écrire dans un bout de papier, hein, il y a pendant lui avec lui, il y a attaché avec lui, et il y a la conception qui ça a pouvoir faire du bien ou bien du tout, faqad ashraka li fin komet shirk. Alors donc, le bizarre faire attention, hein, alors, et parce qu'il commande fin des autres, Inch'Allah, les détails pour venir, qui va, combien qualité incantation il a, veut dire, qui incantation qui d'après sunna, qui d'après, veut dire, qui en accordance avec sunna, et qui va l'incantation qui bid'a ou bien qui shirk, qui innovation, alors, et qui haram, et qui est capable d'amener jusqu'à même, veut dire, il est capable d'amener la personne jusqu'à kufr, alors ça, explication-là, les pour venir en détail, après, Inch'Allah. Alors, définition shirk, comment nous fait trouver dans la parole de l'imam Ibn Qudama, il peut dire, ban incantation, ban formule, et ban ne, qui ban dit mon attache dans la corde, qui affecte ban l'équerre et ban l'écho, qui affecte ban l'équerre et ban l'écho, et alors, les tuy du monde, et sa gravité, les tuy du monde, et il sépare une personne de ce madame. Les tuy du monde, et il sépare une personne de ce madame. Alors, comme définition de As-Sihr dans Sharia, Cheikh Uthaymeen dit, Rahimahullah, il dit, ban nœud et ban formule à travers lesquelles le sorcier, celui qui pratique la sorcellerie, lui arrive à servir ban shaitan. Ban nœud et ban formule à travers lesquelles le sorcier, et ou bien la sorcière, parce qu'il y a madame aussi aujourd'hui, je te servis, ban shaitan, pour je te faire dito, qui je te voulais à la personne qui peut faire sorcellerie là, l'oubli, à la personne qui visait par sa sorcellerie là. Chers frères et chers sœurs, quand Allah fait une cause concernant la sorcellerie dans le Coran, le fait de faire nous comprendre qui ça, c'est une petite chose qui pratiquait l'aubaneux. Quand Allah fait une cause concernant sorcellerie dans le Coran, le fait de faire nous connaître qui ça, c'est une petite chose qui pratiquait l'aubaneux. Allah fait enseigner nous pour dire, dans Surah 113, ayat numéro 4, wa min sharri nafathati fil uqad. Allah fait enseigner nous, pareil comme il fait descendre sa surah là, pour enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, protection et guérison contre As-Sihr. Alors dans sa, dans une de sa deux surah là, dans surah Falaq, ayat numéro 4, Allah fait enseigner nous pour dire wa min sharri nafathati fil uqad, mon péché est protection contre le mal de ban madame qui soufflait l'eau ban nu. Chers frères et chers sœurs, et Inch'Allah, dans 5 minutes, nous allons terminer. Nous connaissons la Mazécha, le temps à se faire. Le programme n'est pas pour dépasser les bientôt, Inch'Allah. Alors, et la sorcellerie, est-ce que la sorcellerie est réelle? Est-ce que la sorcellerie est y a une réalité? Je veux dire, haqiqa tu sihr. La sorcellerie les manifester dans plusieurs façons. Les manifester lors celui qui finit tu sais pour ça, et les manifester l'oban qui peut témoigner. La sorcellerie, les manifester lors celui qui finit visé pour ça, et les manifester aussi l'oban qui peut témoigner. À travers la sorcellerie, un démon lui souffert, et la souffrance. Un démon lui souffert à travers la sorcellerie. Et à travers la sorcellerie, un démon lui trouve quelque chose qui est irréel. Voilà réalité sorcellerie. Les féaux trouvent quelque chose qui est irréel, hors de l'ordinaire. Donc la sorcellerie, liéna, quelque chose qui est irréel. Par contre, certains démons disent ça, c'est imagination. Il n'est pas existe, c'est imagination, tu te mets ça dans toute la tête à cause ça, tu me trouves ça, tu te mets ça dans toute la tête à cause ça, tu me sentis ça. Non. Il y a une réalité, il est réel. Il y a une réalité parce qu'il y a l'effet, l'effet le bon du monde, il est affecté bon du monde et il est affecté bon quelque chose. Il est affecté bon du monde et il est affecté bon quelque chose. Al-Hafidh Ibn Hajar dit, donc,
et explication dans ce livre Fath al-Bari, dans l'explication de Ibn Hadith dans Sahih Bukhari, il dit قال النووي والصحيح أن له حقيقة. Imam al-Nawawi fin dit que la sorcellerie est une réalité. وبه قطع الجمهور. La majorité de les ulama finit définitivement là. The definitive law là, wa alayhi ammatul ulama, et la grande majorité en général tout man ulama, the law ça l'opinion là, wa yadullu alayhi al kitab wa sunna, et c'est ça ce qui le Coran et la sunna veut dire, li fin prouvé al sahiha al mashhura, la sunna authentique et qui connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la sorcellerie est une réalité. Les réels, les vrais, liés à les faits, les affectés du monde, les affectés qui chose qui s'affinent à pratiquer l'eau. Mais seulement ce qui est important faire ressortir à votre frère et votre soeur, c'est que l'effet de la sorcellerie, l'eau est du monde, ou bien l'eau est qui chose, les limiter à dito qui touche ce être sans qu'il y transforme ce être. La sorcellerie se dit donc l'illimiter à sa être là sans qu'il sens forme là. Veut dire la sorcellerie peut un pouvoir pour faire un démon vins des animaux. C'est-à-dire être, sa être là, la sorcellerie, lui affecter l'être sans qu'il sens l'être, veut dire sans qu'il sens la forme, lui transforme ce être. Par exemple, La sorcellerie, il est capable de faire un démon dito à travers une douleur dans son corps. Il est capable de faire souffrir, mais il n'est pas capable de transformer son corps pour faire vivre un singe ou bien une autre créature. Alors la sorcellerie, il fait un démon souffrir, mais seulement il n'est pas capable de faire un démon, il n'est pas pour transformer un démon. Cheikh Othaïbine, rahimahullah, il dit, la sorcellerie peine à l'effet d'en transformer en quelque chose. Ou bien, bouge ce qui est imbougeable. Bouge en quelque chose qui n'est pas capable de bouger. Ou bien, arrête en quelque chose qui peut bouger. La sorcellerie, il affecte du monde, il affecte un objet, mais seulement, il n'est pas pour capable de transformer quelque chose. Il n'est pas pour capable de faire quelque chose qui n'est pas bouger. Et il n'est pas pour capable de faire quelque chose qui bouger, arrête de bouger. Mais dans un ensorcel, veut dire dans ensorceler là une personne qui finit être touchée par la sorcellerie pour faire les trous, l'air bougeable peut bouger. Comprends ça. Une montagne, c'est une petite chose qui n'est pas capable de bouger. La sorcellerie n'est pas capable de bouger montagne, elle n'est pas capable de tirer montagne, là, elle met une place. Mais seulement qu'il est capable de faire, il est capable de faire la personne qui finit affectée. Il est capable de faire la personne trop montagne la bouger. Quelque chose là, il reste en place. Li. Mais seulement la sorcellerie, il fait la personne trouve quelque chose qui va bouger. À cause de la même que la sorcellerie, il fait la personne trouve quelque chose qui, en vérité, pas, personne ne peut trouver. Quelque chose qui, tout le monde qui va assister, personne ne peut trouver. La sorcellerie, il fait ça, tout le monde qui vient être affecté là, il fait, il trouve quelque chose. Alors donc, il n'est pas sans réalité, il n'est pas transforme quelque chose, mais seulement, il veut dire la sorcellerie, il affecte du monde, pas faire du monde souffrir, et il est capable, veut dire, faire du monde trouver quelque chose qui pas bouger, et il est capable de faire du monde trouver quelque chose qui bouger, c'est-à-dire qu'il est péré sans place. Il est capable de faire du monde trouver quelque chose qui bouger, il est trouvé péré sans place. Alors, quant à l'effet de la sorcellerie, mon frère et ma soeur, l'aubane qui témoigne, ça l'aubane qui banane pratique sorcellerie, l'aubane, mais c'est l'aubane qui témoigne, l'aubane qui témoigne la sorcellerie, nous disons, il affecte les autres aussi, ça aussi, l'éclair dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 7, ayat 116, فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بسورة 7 سورة أعراف آية 116 الله سبحانه وتعالى بيجير كوابان سوسي فين زد زد باتون dans l'histoire Moussa عليه السلام
quand on finit rassemblé à Timon et tout van sorcier pharaon finit rassemblé tout ce van sorcier van champion van sorcier et pour faire face Moussa. Alors quand Moussa alayhi salam quand van sorcier fin zet zot bâton van la finance sorcier les lisier de van Timon. Je finance aussi les lisiers de Bantimoun, je finis faire Bantimoun gagner pire, et je finis venir avec un grand sorcier. Dans Surah Bar, ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qala bal alqou, fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tes'a. Voilà qui jette la corde, et je bâton fin paraître. Par une sorcellerie qui je peux ramper. Bâton l'ingresse, bâton même lui. Bâton, il fixe lui. Un bâton, il fixe, un dix bois, il fixe. Ben là, il en sorcelle, regarde ça, ben dix mounes qui fait témoin de la sorcellerie là, je trouve bâton là, pour bouger. C'est l'ami qui je l'appelle lui, qui je l'appelle lui, je l'appelle lui, c'est pas. Alors, c'est, en fait, c'est bâton, mais sa sorcellerie là, je n'en sorcelle, lisier de man qui peut assister. Je ne fais, veut dire, ben la trouve, et bâton, veut dire, peut bouger comme un serpent. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit dans un hadith de Mousnad Ahmad, poéna avec lui, les causes concernant Dajjal, poéna avec lui, un jardin et un diffé, et la rivière de l'eau et montagne du pain, ce jardin en vérité pour un diffé, et ce diffé en vérité pour un jardin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut décrire Dajjal à cause de l'appel les fitna Dajjal. Les pour décevoir du monde, les pour tromper du monde, les pour embêter du monde. Il y a une grand menteur. Il y a une grand menteur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que Dajjal, ce jannat, il peut paraître comment? Il peut paraître comment différent. Parce que Dajjal, il peut servir qui était? La sorcellerie. Les pour servir la sorcellerie, les pour faire Jannat, paraître comment tu fais, les pour en sorceller l'isier de Bantimoun, les pour faire ce trou paradis comment tu fais, et ce tu fais pour paraître comment Jannat. C'est-à-dire, les pour trop du monde, les pour faire ce tu fais paraître comment paradis, et les pour faire ce paradis paraître comment tu fais. Alors, et nous terminons avec Hadith dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour une de la rivière qui peut couler avec lui, avec Dajjal, pour une de la rivière qui peut couler, un là pour être de l'eau claire, l'autre là pour être du feu qui peut enflammer. Si qui gagne parmi eux de joindre lui, si qui gagne parmi eux de joindre Dajjal, qu'il vienne contre la rivière, qu'il peut trouver lui un du feu là. Vienne contre du feu là. Celui qui peut joindre Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il peut une de la rivière avec lui. Un là pour être de l'eau claire. Et elle là, elle peut paraître comme elle la flamme. Vine contre la flamme là. Vine contre la flamme là, qui fait, et elle plonge là-dedans, plonge dans la flamme là. Elle baisse sur la tête et elle boit quand elle peut être de l'eau frais. Parce qu'il Dajjal, elle peut embêter du monde. En vérité, ça la flamme là, ça n'a de l'eau frais là ça. Alors vine dans la flamme. Veut dire rentre là-dedans, bois de l'eau frais, mais pas alcool de l'eau claire là, en vérité de l'eau claire là, là-bas qui peut diffé. Alors nous trouvons qui veut dire la sorcellerie, il y en a une réalité et il y en a une manifestation. Alors Inch'Allah dans nos prochaines sessions, nous vous causons manifestation de la sorcellerie, veut dire comment la sorcellerie fait dito, dans qui forme les faire, dans qui bat différentes formes, façons les faire dito au bandimon. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.